Eh les amis, est-ce que c'est pas magnifique? Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode, si je dis pas trop de bêtises, je t'ai fait peur, excuse-moi, de Far Cry 3, l'aventure nostalgique. Et on est en route pour conquérir 3 avant-postes, hein, comme prévu. J'espère que ça vous va, messieurs, dames, on est là pour chiller un max. On y va en voiture, on va pas se prendre la tête. On va essayer de faire ça au mieux, le plus vite possible. 3 avant-postes de cette première île. Par où je peux passer là? Enfin, je vais suivre la route, hein. Waouh. Très dépaysant. Que du bonheur. Attends, il y a une voiture devant moi, à mon avis c'est des méchants. Je sais pas où ils sont passés. Ah si, ils sont encore devant, ils vont très vite. Hop, je les suis, hein. Je les suis de très près. Je crois qu'on s'approche de l'avant-poste. Ah non, c'est des potes. C'est des potes. Ils se sont rentrés dedans, les débiles. Oh là là, les crétins. Oh, je vous jure. Bon, j'espère que vous êtes au taquet. N'oubliez pas le pouce bleu, évidemment, pour m'encourager. Et pour le référencement, même si bon, hey, on va pas se mentir, la série elle va pas faire. Hein. Eh les gars, c'est Far Cry 3. Voilà, moi je suis là pour me faire kiffer et vous faire kiffer. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, le petit pouce bleu évidemment. Et on est arrivé. Oh là là, génial, c'est beau. Je ne me lasse pas du tout. Mais j'espère que vous non plus, mais en vrai, c'est vrai que Far Cry 6 en vrai c'est sympa. Mais Far Cry 3. C'est encore différent. C'est vrai, hein. C'est encore un autre bail. L'alarme est de l'autre côté. Oh, mais ça va, il est facile cet avant-poste. Je pense que c'est un avant-poste ultra facile. Alors attends, on va éviter de se... S'il vous plaît. Heureusement que quand tu t'accroupis, voilà, hein. Ok, il y a une deuxième alarme si jamais. Oh merde. Ah oui, non, il est... J'ai peut-être parlé un peu trop vite concernant la... La difficulté de l'avant-poste. Du coup, il faudrait que je passe par derrière. Hop. Oh, regardez, c'est trop mignon. Je suis très vite distrait. Bon, alors attendez. Je pense que pour désactiver l'alarme, ça devrait pas... Ça devrait pas être trop complexe. L'alarme est juste devant moi. Regardez bien. Voilà. 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 C'est pas mal, hein. Ça y est, j'ai appris de mes erreurs au bout du 20e épisode. Je commence à être pas trop mauvais. Donc là, on est bon. Non, peut-être pas le lance-roquette. C'est peut-être un peu exagéré, c'est vrai. Voilà, ils ont rien vu venir. Ils ont rien vu venir, les cons. Là, 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 là. Bon, là, on se fait plaisir. Là, on se fait plaisir. Ils sont un peu débiles. Hop. Eh. Franchement, j'ai envie de tenter un truc. Let's go! Enchaîne, enchaîne! Yes! Let's go! Voilà! Ça, c'est du spectacle! Ça, c'est beau! Bon, par contre, je suis connu comme le loup blanc. Hein. Même avec cette tenue, je suis connu comme le loup blanc. Eh ben, c'est génial! Oui, parce que c'est ça. En fait, Vass et les pirates, ici, ils connaissent ma tête. A l'inverse, Oik... je sais plus comment il s'appelle, là sur la deuxième île, eux ils connaissent pas ma tête. Ils ont pas internet ou quoi? Eh, ils vont fermer leur gueule, eux. Eh bien voilà. Eh, franchement les gars, c'est comme ça que ça va se passer dorénavant, les avant-postes, hein. Que du spectacle. Que du spectacle. Par contre, obligatoire, hein, de passer par là. Bon, ça je sais pas à quoi ça sert, je prends carte mémoire un peu tard, hein, parce que depuis le début je pense qu'on pouvait faire ça, mais
Hop, les munitions. Hop, on vend le peu que j'ai récupéré. Et en vrai, ça fait toujours 88$. Même 250. Voilà, autant se faire plaisir. Allez, on continue nos épopées. On a un deuxième avant-poste ici, juste à côté. Enfin, juste à côté, c'est à dit et c'est vite dit. Ok, bah on va y aller. Hein. On va y aller, c'est par là-bas. J'ai une voiture à disposition. L'avant-poste, mais il y a encore du boulot. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Ah mais je l'ai déjà dit il y a 2 minutes. Je suis désolé, je radote hein. Je radote, mais ça c'est quand je suis excité. Voilà, quand je suis excité des fois faut pas chercher hein, midi 14h hein. Et là c'est cool parce qu'on est en train d'avoir de plus en plus de safe zones. Donc des zones avec moins d'ennemis. Et ça, ça fait plaisir. Ça nous empêchera pas de faire des accidents avec nos collègues, mais c'est déjà plus sympa. Hop, on s'improvise des petites routes, regardez, hop, par ici. Voilà, Paul Walker, le retour. Voilà, c'était pour lui faire un peu hommage. On est arrivé. Eh, hey, mollo, l'astico. Il y a des ennemis qui arrivent en plus, là. Ah non, c'est bon, c'est des alliés. Ils vont m'aider ou pas, vous pensez? Pas du tout. Oh là, il y a du mastodonte, non? Ah ouais. Il y a du mastodonte. Il y a du mastodonte. J'ai une alarme là-bas. Ah, il y a une diversion là. Ah oui, il y a une diversion qui a été faite par mes alliés visiblement. Ok, il y a 2 alarmes les gars. Vous pensez que je tente ou pas? Ok. Voilà, il n'y a plus d'alarme. Il n'y a plus d'alarme. C'est bon. Eh, j'ai de la chance hein, dans la diversion. La diversion parfaite, messieurs, dames. Je sais pas c'est dû à quoi cette fusillade. Mais sachez que ça nous aide énormément. C'est peut-être mes collègues justement qu'on a vu, je sais pas. Tout ce que je sais c'est que lui il va finir comme ça avec son pote, regardez bien. J'ai plus de mun, ah si. Voilà, ils savent même pas que je suis là, c'est excellent. C'est excellent, j'adore ce jeu, regardez. Hop là. Attendez, j'aimerais lui sauter dessus à lui. J'aimerais lui sauter dessus. Vous croyez que c'est possible? Let's go! Bam bada bim bada boum boum boum! Deuxième spectacle en moins de 8 minutes! C'est par ici que ça se passe! Ah là 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 là, c'est que du bonheur! C'est que du bonheur! Allez, on perd pas le temps, on perd pas le nord, on prend la bagnole. Et on s'arrache, même pas besoin de faire le plein de munitions. Il faut aller où là? Il faut aller là, oh regardez, non là. Et on va pouvoir explorer la tour de Rook Point. Et tout va être safe ici hein. Oh, regardez, tout est vert. Oh, tout est vert. Là il y a plus d'ennemis en fait hein, concrètement. Enfin sauf là où on va mais... Allô? Ok, la voiture ne roule pas. Ah mais parce qu'elle est... Ok. Bref, c'est pas grave. On a encore du boulot. Allez. Ah j'adore ça, voilà. C'est quand même plus sympa que de focus tout le temps les missions là, faire du speedrun, voilà. Je récupère même pas les trésors, j'en ai rien à foutre hein. J'en ai pas besoin hein. On en a pas besoin. Bon là normalement on peut pas croiser d'ennemis en vrai. Avant un petit moment, donc ça c'est sympa. Qu'est-ce que c'est cool. Qu'est-ce que c'est cool. Bon allez, faut que j'arrête Hop, oh là là le dérapage. Non mais hé, hey, je roule à gauche hein. Je vous crois en Angleterre hein. Attendez, mais je suis devenu vraiment un pilote. Je vais même traverser l'eau, regardez. Hop. Voilà. Bon, après, il faut pas trop m'en demander non plus. Hein. Faut pas trop m'en demander non plus. Tu veux une banane? Hop, voilà. Bon, bah du coup, on va devoir un peu continuer à pied. Ah, c'est pas mal non plus. Hein. En vrai, je pense qu'on doit être proche. Pas du tout. On est encore bien loin. Ah non, c'est juste là, c'est bon. Ah, j'avais même pas besoin de traverser l'eau, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Hop, plongeons. Oh, non, non, aïe. C'est bon, je l'ai évité. Eh, hey. Hein. Pas à moi, hein. Jackson. Jackson. Eh, hey, je peux dépecer. Oh, je peux te dépuceler. Merci. J'ai eu peur quand même. Je vais éviter de crever, s'il te plaît. On se dépêche. Voilà. Allez. On est arrivé. Oh, il y a encore une diversion, ouais.
Ah non, ça n'a aucun rapport. On n'est pas encore arrivé. J'adore, il se passe toujours quelque chose. Bah oui, parce qu'en fait, il y a plus de gentils que d'ennemis maintenant. Bon là, ils sont en train de s'attaquer à un animal, mais... Voyez-vous. Hop. Voilà, je me suis caché, ils ont rien vu. Et bientôt, ils seront plus là. Bon. Je pensais pas que ce serait si long à pied. Je pensais que ce serait un poil plus rapide. J'aurais pas dû faire le Kekos avec ma bagnole. Mais dans tous les cas, nous y sommes. Nous sommes arrivés à l'avant-poste. Voilà. Voilà qui fait plaisir. Je vois déjà des barils explosifs et ça, ça me plaît. Pourquoi il y a toujours des barils explosifs? C'est complètement débile. C'est juste le meilleur moyen pour se faire exploser la gueule. Enfin, on est bien d'accord. Je ne comprends pas. Le sniper qui me vise, il va se détendre. Alors, il y a une alarme là-bas. Un mastodonte ici. Des animaux. Un peu partout. Une voiture qui arrive et qui va me fumer la gueule. Voilà. Bon, j'ai vu qu'une seule alarme et elle est loin. Il y en a une deuxième à côté. Ok, je l'ai vu. J'ai vu la deuxième alarme. Je pense que je peux l'atteindre sans trop de difficulté. La dernière fois que j'ai dit ça, ça s'est pas passé comme prévu. Bonjour. Ah! Attendez. Lui il descend. Elle est où l'alarme? Oh, je suis à l'alarme. C'est pas celle que je voulais, mais. Voilà. Ok, je parle pas trop hein. Y'a plus d'alarme, je suis tranquille hein. Et j'ai envie de faire du beau jeu. Oh la vache, j'ai failli tout niquer là. J'ai failli tout niquer. Ça aurait été dommage. Est-ce que je peux grimper? Magnifique. Ça c'est beau. Dis rien. Alors ce qui est... Voilà, et ça sur Far Cry 6 tu te fais cramer là normalement. Tant mieux hein. Hein? Ah merde, ils ont cramé je sais pas comment. Dommage. Hop. Tout va bien messieurs dames. Bon bah le dernier pour la fin hein, c'est le spectacle hein. Voilà, un peu explosif. Ah, il en reste un? C'est une blague? Ah, c'était juste du chien! Ah oui, d'accord, le chien était comptabilisé comme un ennemi. Ah oui, d'accord, donc on n'avait pas le choix, d'accord. Moi, je voulais l'épargner, moi. Bon, bah voilà, messieurs, dames. Alors, attendez, parce que lui, hein, il va pas me... Yalla! Ah, ça marche pas pareil. Arrête! Non, non! Non, je voulais faire un beau truc, mais en fait c'est... Oh, pourquoi? Un chien c'est considéré comme un ennemi, un tigre c'est pas considéré comme un ennemi, tu peux pas lui sauter dessus. C'est dommage, moi je voulais faire le dresseur sauvage. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je m'en suis super bien sorti quand même. Bon là c'était, voilà, je suis mort pour le troll. Je suis mort pour la blague. Mais en tout cas voilà, on a vraiment fait du beau spectacle. J'aimerais faire un petit tour là où, à la tour, justement un tour à la tour de Rook Point. You know, c'est par là-bas. Parce que c'est vrai qu'on l'avait vu, elle est là. Ça a l'air magnifique, on va aller voir ce qu'il y a. Et puis voilà, là on est carrément safe. On pourra croiser 0 ennemi là en fait concrètement. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis on va pouvoir continuer nos aventures, messieurs, dames. Comme quoi ça va très vite, vous voyez, de faire des avant-postes. Quand je me foire pas, évidemment. Oh là là, c'est super cool ça. C'est le phare du Cordouan ou quoi? Clin d'œil. Oh là là. C'est exactement ça en plus. Après oui, c'est un phare, c'est logique. Il est au bord de l'eau. Tu t'attendais à quoi?
Et ben on va monter tout en haut. Plus dur sera la chute. Oh. Oh. Et ben voilà, c'était juste pour ça. Je suis un peu déçu. Ça c'est quoi? C'est des ennemis ou des gentils? Attends, pourquoi? C'est des gentils. Bon, du coup, on va se téléporter comme convenu. Regardez comme c'est beau, c'est tout vert. C'est tout vert, donc là il y a un avant-poste là, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Mais là on va se refocus ici. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire l'avant-poste, le pylône radio ici. On va se téléporter au plus proche, au camp Delta de nouveau. Non, on va aller au camp Echo. Non, on va aller au camp Delta. Je sais plus c'était où qu'on était sous la grotte. Mais j'ai pas envie de commencer sous la grotte. Je sais pas où c'est, bon on va voir. J'ai une chance sur deux pour m'être trompé de là où je voulais aller, mais c'est pas grave. Bon, ça se trouve tous les camps sont souterrains. Ça c'est possible aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pars loin là dans mes... dans ma tête tout est confus. Les chargements sont de plus en plus longs. Ah voilà. Et ça va me permettre aussi... Ah non, je peux pas recharger mes armes et tout. Ok. Ah bah c'est bien. Je suis pas souterrain là. Parfait. Parfait. Et donc là, n'oubliez pas que là je suis considéré non pas comme un ennemi. Hein. Donc là je suis tranquille, je peux prendre la bagnole. Normalement, personne va me faire de mal. Allez, c'est parti. On va... Alors, faut juste pas que je fasse de la merde avec eux. Mais normalement, je suis safe. On va voir. Tu vois, ils me font rien. C'est bon, ils me font rien. J'ai évité d'être tué, du coup. Moi, je vais aller au pylône radio. Je vais complètement à l'opposé, là. Ah non, si, c'est bon. Oh la vache. Eh hey. Fast and Furious, non? En vrai. On s'y croirait, quoi. Allez, direction le pylône radio. Oh là là, moi, il m'est raccourci, hein, franchement. Hop. Si jamais il y a un avant-poste là. Est-ce que je le tente? En vrai, est-ce que je le tente? Deux alarmes minimum. Est-ce que je le tente? Zone interdite? Ah, voilà! Bah ça répond à ma question du coup. Est-ce que si je les tue, ils sont méchants? En fait, c'est si je rentre dans ce genre de zone, dans tous les cas, je serai vu comme un... comme un méchant. Par contre, je fais comment pour rentrer, du coup? Parce que là, concrètement, je me fais un peu carotte. Ah, mais je vais passer par là. Ok. Bon, on va essayer de voir si on peut se la faire. C'est toujours sympa. Et après, on fait pylône. Et on s'en arrêtera là. C'est impossible à rentrer dans leur truc, là. Non mais ils se foutent de notre gueule là. Non mais là ils se foutent de notre gueule. On peut pas passer là? Aïe. Non mais c'est gigantesque. C'est un avant-poste au moins? Je suis où là? Mais non mais c'est même pas un avant-poste. Mais punaise, je sers à rien. Je suis débile, je suis complètement con. Mais j'en ai marre d'être nul, je suis désolé. Je suis vraiment débile. Ça sert à rien d'aller là. Bon bref, imagine y a plus la voiture. Elle est encore là. Machallah, j'ai eu peur. Oh, j'ai vraiment eu peur. S'il y avait plus la voiture, j'aurais bouilli, j'aurais rage quitté la vidéo. Je vous le dis hein. Allez. Oh, elle est belle la lune hein. Je parle pas de mon cul. Let's go. Là on peut faire tous les pylônes tranquilles sans problème. Personne nous fera du mal, c'est ça ce qui est génial. Wow. J'adore. Oh. Arrête. Bon bah je suis redescendu. Ah ça va. J'ai cru que j'avais un peu exagéré exagéré du bail. Bon.
suis vraiment excité moi. J'espère que ça va pas être trop relou à faire. Hop. Ok, ça devrait aller. Oh là, je me suis vraiment fait des biceps du feu de Dieu mon pote. Dommage que ma copine qu'on soit plus ensemble quoi. D'ailleurs on sait pas s'ils sont partis ou pas nos amis. Très bonne question. Je pense qu'on aura des nouvelles prochainement. S'ils sont partis oui ou non. Hop. Prendre de la hauteur. Ce qui est bien quand il fait nuit c'est que tu regardes pas trop en bas. Donc t'as pas trop le vertige. Hop. Et voilà. Terminus Bambinus. Tac. Ça je récupère. Et ça je prends. Hop. Clic, clac, pan, pan, pan. Et ça fait clic. Non, non, arrêtez vos conneries. Allez, on va y voir un petit peu plus clair. Oh yeah. Oh, un stand de tir. Oh, un parking. Totalement détruit. Oh, encore une casse. Oh. Pas très accueillant par ici. Pardonnez-moi. Il est mort. Du coup, on y voit un petit peu plus clair. Bah du coup c'est dangereux mais on est safe parce que bah, pour le moment on cherche pas la merde et ça c'est cool. On va... En vrai je suis tellement tenté de faire tous les pylônes radio. Attendez il en reste 1, 2, 3, 4. Les gars il en reste plus que 4. Les gars il reste plus que 4 pylônes radio. Et on a 10 minutes de vidéo encore tranquillement à faire. On est où? On est là. Eh, on se les fait tous. On se les fait tous et on a toute la map. Et les bases on s'en fout, on verra ça ultérieurement. Eh les gars, je rigole zéro. Je rigole zéro. Allez. On va faire tous les pylônes. Il nous en reste plus que 4. J'avais pas capté à quel point ça allait vite. Mais c'est vrai. C'est réel. Allez. Et la mission elle attendra. Hein. Aïe. Oh putain, sérieusement. 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 Ça va péter, distance de sécurité. Heureusement. Oh là, ça c'est du spectacle. Hein. Heureusement il y a notre bagnole ici. Ah bah c'est ma bagnole d'avant. Bon bah on va passer par au-dessus, ce sera peut-être plus safe. D'accord. J'ai bien compris. On va passer par là. Allez, direction le prochain pylône. Mon dieu quel enfer. Pas facile à maîtriser hein. Heureusement qu'on a la voiture pour aller vite. Hein. Oh, il faut traverser de l'eau en plus. Let's go! Oh! Tout va bien. Tout va très très bien. Oh, oh, ça c'est du spectacle! Hein. Ça c'est du spectacle! Hein. L'explosion au moment du plongeon. Tout va très très bien par ici. Oh là 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 là, c'est beau. Et ça? Oh, c'est magnifique. Et ça fait de la lave et tout. Enfin de la lave, je me suis peut-être un peu enflammé. Magnifique. Bon on y approche hein. Oh il y a une mine ici. Oh, y a tellement d'endroits qu'on pourrait explorer. Après il faut vraiment prendre le temps et... Alors je suis assez... Non. Voilà on va... Ah non mais... Le problème c'est l'ours. J'avais pas compris moi, je tirais sur les mauvais. Bah oui, c'est l'ours qui faisait peur à tout le monde. Les pauvres bêtes. Bon bah c'est bien, on a de l'ours gratuitement. Enfin gratuitement. Bref, ouais, je suis assez partagé parce que forcément c'est le genre de jeu, il faut prendre son temps pour tout bien explorer. Mais voilà, je vais vous le dire, j'ai pas envie que ça dure 30 ans. J'ai connu à l'époque aussi, donc c'est pas nécessaire. Mais en même temps, je veux en profiter un maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis partagé. Entre les deux sentiments de à la fois on va pas s'éterniser sur certaines choses mais à la fois j'aimerais bien qu'on profite sur d'autres choses donc voilà ça dépend, faut me comprendre parfois j'ai pas envie de m'attarder sur quelque chose, peut-être que vous en avez envie et parfois j'ai envie de m'attarder sur des choses et vous peut-être que ça vous embête que j'y passe du temps. Voilà, c'est un petit peu la problématique de ce genre de... Bah après c'est la problématique des let's play hein, par définition. Mais bon j'espère que je vous fais kiffer depuis le début et jusqu'à maintenant. C'est vrai que je tourne les épisodes vraiment à l'avance de ouf pour être sûr de rien lâcher.
Vous savez, c'est le genre de let's play où tu commences, t'es super content et en fait tu t'en rends compte, ça devient dur. Et au bout du 10e épisode, tu abandonnes parce que soit ça va pas ou... Bon là du coup c'est pas le cas. Mais j'ai préféré tourner beaucoup d'épisodes à l'avance pour en être sûr. Et moi ça me permet aussi à côté de pas être en attente d'un retour ultra positif de la communauté. C'est-à-dire, ben, en fait c'est ultra déprimant hein, quand tu fais une série que tu kiffes. Et... tu tournes 3 épisodes, tu regardes les retours et tu vois que l'engouement est au niveau 0 ou pas beaucoup. Et toi t'es déçu et t'as pas envie de continuer. Alors que si t'avais pas les retours, t'aurais continué. Donc moi c'est pour ça, c'est un peu ma logique. Et du coup je suis content parce que là on va arriver à 20 épisodes. Je suis ultra motivé de ouf et si ça se trouve la série va bider mais j'en ai rien à péter en fait. J'en ai rien à péter. Oh là c'est moi qui me pète là. J'en ai rien à péter si ça bide. Parce que bon déjà je sais que j'aurais fait plaisir à ceux qui suivent jusqu'ici. Mais aussi parce que je vais pas abandonner, tout simplement. Et parce que j'aurais vraiment tout fait proprement, comme moi je l'aurais, comme moi je, voilà, comme je l'entends. Et j'aurais pas déçu ceux qui ont suivi la série. Vous voyez ce que je veux dire? Parmi vous là, il y en a qui doivent être trop contents des épisodes, et je l'espère. Et du coup je sais que je vais pas vous décevoir parce que j'aurais terminé l'aventure dans tous les cas. Enfin j'aurais fait mon maximum en tout cas. Alors attends, voilà, par ici. Hop. Hop. Voilà. Et plus que 3 pylônes radio. C'est rapide hein. Je me demande si les avant-postes sont pas plus rapides que les pylônes radio. Non, je sais pas, bonne question. Allez. Tac. J'adore. C'est dommage qu'on avait pu ça sur Far Cry 6. Ça a été fait différemment. Ce qui est pas plus mal. Tout n'a pas été recyclé. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa aussi quoi. Hop, une nouvelle partie. Et ce n'est que partie remise. Je veux juste vérifier, dis-moi combien. 15 sur 18, il nous en reste 3. Ouais, c'est ça. Il nous en reste 3. 1, 2, 3. Exactement, c'est fou, hein. Le complexe. Ok, on est où, là? On est là. On est là, on va aller ici. Limite, il faudrait se faire quand même un avant-poste pour avoir un TP rapide parce que... Non, on s'en fout. On s'en fout, on va continuer. On va continuer tel quel. Allez, let's go. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. On va s'occuper de cet avant-poste là-bas. Le jour se lève. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Faudra une voiture. Zone interdite là-bas. Je parle pas de l'émission. Bah, on va suivre la route là. J'espère qu'il y aura une voiture. Ce serait sympa. Bah là, il y a des voitures, mais elles sont cassées. Elles sont corsées. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Bon du coup épisode un peu plus chill. Mais en vrai nécessaire en soi je dirais pas ça comme ça. Mais il n'empêche qu'au moins on est tranquille. On a un aperçu global de la map. Et on se prendra plus la tête avec ça surtout. Même si c'est pas une prise de tête. Mais je veux dire ça nous évite à chaque fois de... Enfin du coup là c'est redondant parce qu'on le fait aujourd'hui. Mais ce qui est fait aujourd'hui ne sera plus à refaire. Voilà. Ils sont énervés Ils sont énervés. Là-bas, il y a une bagnole. Je vais la récupérer. On va voir. J'espère que... Normalement, si je les tue, les autres, ils resteront gentils, mais... Ils sont que 3, hein. Et si je leur prends leur bagnole, peut-être qu'ils vont accepter, en fait, tout simplement, non? Oh, ça m'étonnerait. Attends, j'attends que eux, ils passent. Il a rien remarqué. Mais attends, ils ont rien remarqué. Ok. Ils ont rien remarqué. Je suis mort de rire. C'est excellent. Allez. C'est magnifique. Ça pouvait pas mieux se passer. Ça pouvait pas mieux se passer. Les rayons du soleil, magnifique. Alors là, on va vraiment suivre un maximum la route. On va éviter de faire du caca hein, parce que j'en ai marre d'être à pied. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que vous aussi. Donc là on va vraiment pas faire les cons. On voit déjà le pylône. Je passe par là. Ouais je suis la route. Ah, cul de sac. C'est une base. On se la fera, vous inquiétez pas. On se la fera. Juste pas aujourd'hui. Hop. La 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 la. Petite musique sympa hein.
Oh là là, contre-jour, je vois rien. Ça va, messieurs? Ah, ils ont eu peur. Ils ont eu peur, mais ils sont pas hostiles. Et ça, c'est sympa. La-di-da-di-da-di-da. Voilà. C'est quand même plus sympa d'arriver sans trop d'encombre, n'est-ce pas? Bon, on va bientôt s'en arrêter là. Hop! Magnifique. Ah mais oui, on a un wingsuit! J'avais oublié ce détail, on a un wingsuit dorénavant. C'était l'utilité de la mission avec l'avion là. Depuis le temps, je suis débile. Je savais pas, j'avais oublié. Ça va être méga pratique les gars. Ça va être incroyable les gars, on va sauter de là-haut en wingsuit. Voilà. C'est dit, c'est fait. Hop. Monsieur. Là. Non mais là je dois aller où là? Non. Fous de ma gueule. Oh c'est bon. Magnifique. Hop. Voilà. Mec, ça dans la vraie vie tu tentes ce genre de choses mais tu tombes instantanément hein. Ça n'existe pas. Concrètement. Hop. Et boum. Sous ce magnifique ciel bleu. Tac. Non, en vrai c'est... Ouh. 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 Bon, voyons voir, plus que deux pylônes les gars et après c'est fini, c'est incroyable. Tac 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 tac. Voilà, c'est sympa, on a un pylône ici et un pylône là. Eh bien les amis, ce qu'on va faire, on va faire ce pylône là, on y va en wingsuit. Il est où? Il est où? Il est là-bas. On y va en wingsuit. Et une fois que c'est fait... Ah mais ça va jamais marcher en fait. Je voyais ça différemment. Une fois qu'on a fait ce pylône radio, on s'en arrête là pour cet épisode. Et dans le prochain, on pourra faire le dernier... le dernier pylône radio qui est juste à côté de la mission. Et on va faire la mission. Voilà. Vous m'avez compris? Voilà, en gros dans le prochain épisode... Tout le monde sera content, on va continuer nos péripéties. Mais du coup là je fais un petit peu durer cet épisode, ce qui va nous permettre de faire ce avant-dernier pylône qui est un petit peu plus loin de ce que j'avais cru. Et c'est un petit peu terrible. C'est un petit peu terrible mais on s'y fait. Donc une petite voiture, on dira pas non. On va se débrouiller pour s'en choper une si jamais. Oh. Attendez. Eh hey. Ah bah oui. Non mais là on peut pas passer à côté là. On peut pas passer à côté. On va se faire l'avant-poste. Alarme ici. Alarme là. Je vais m'occuper de l'alarme là. Je pense. Je vais m'occuper de l'alarme là, ouais. Ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. Dis rien toi. Dis rien. Voilà, il est facile celui-là. Comment ça, ils ont cramé quelque chose? Ils ont déjà cramé? Je comprends pas comment c'est possible. Prends ton temps pour recharger surtout. Hein. Le jaguar. Voilà. Dommage. Ah. Non. Mais prends ton arme frérot, c'est abusé. Non c'est abusé. Là j'ai pas de chance. C'est injuste. C'est injuste. Bon ça va, ça va, ça va. Voilà, c'est ridicule, hein, c'est absolument ridicule. Ok, c'est bon. Allez, dernier masto. Voilà.
On pouvait pas passer à côté parce que... Oh là là, il y a tout qui prend feu, mais c'est magnifique. Regardez la propagation du feu. Ça, c'est la grande révolution de Far Cry, hein, les gars. Ça, c'est la grande révolution de Far Cry. On va pas se mentir. On va juste faire le plein de munitions parce que j'ai plus rien. Et par contre, j'ai pas fini, hein, les gars. Je fais durer l'épisode. J'espère que vous kiffez, mais voilà, c'est essentiel. On doit se le faire, là, cette avant-dernière pylône radio. Sinon moi je suis pas d'accord. Et on y va, je fouille pas les corps, j'en ai rien à péter. Hop. Allez. Dinguerie. Et comme ça on a un petit épée rapide dans cette zone, donc c'est relativement cool. Naninanana, petit reggae. Alors voyons voir, du coup ils vont pas m'attaquer hein, en théorie. Ils savent pas que c'est moi le responsable. Je crois pas hein. Attends, je vais les doubler. Ah c'est bon. On est copains. Les copains d'abord. Pas beaucoup de patates hein, quand même hein, ce bouse. Magnifique. C'est les copains. J'ai absolument foiré mon entrée en scène. C'est pas grave. Allez. À la one again. Et voilà, comment mourir, ça aurait été vraiment bête hein. Alors On rigole. Mais là ça me fait pas rire. On monte par où là? On se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. Je monte comment? Ah! Faut que je ramène une bagnole là? Attendez. Il fallait vraiment que je fasse un move genre. Ah! Voilà! Voilà qui me fait plaisir parce que je la sentais pas moi cette histoire! Merci beaucoup! Là! Hello one again! Toujours sympa, tu vois. C'est pour ça que je veux pas faire en off. Je voulais pas faire en off les pylônes radio. J'avais réfléchi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais le faire en off. Mais ils sont tous uniques. Et il y a toujours quelque chose de sympa, vous voyez, à faire. C'est toujours divertissant. Donc voilà, je suis content de les avoir tous fait en vidéo. Bon. Ça va, il est pas très dur. Et on est arrivé en haut. J'espère que vous avez kiffé cet épisode, les gars. Vraiment, du fond du cœur. Et si c'est le cas, je compte sur vous, comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu et à très vite, demain 16h pour la suite de cette incroyable aventure nostalgique sur Far Cry 3. Plein de bisous, c'était Mkolo. Hop! Tac! Allez! Ciao tout le monde!